تقريبا 40 minutes والاخرين بقية ديسكسيون. جو فيغ معناتها ان بتي ريزومي دو كور. تسمعوا فيا؟ الو تسمعوا فيا؟ دونك نوتخ كور سي لا لوكساسيون كونجينيتال دو لا هانش. J'espère qu'elle est connectée, elle colle Yasmin Fille. Thomas Tasmin Fille, elle est là. Femme à des étudiants qui ont assisté à la séance de simulation. Il y avait une vidéo en anglais qui a expliqué la physiopathologie de la survenue de la luxation congénitale de la hanche. Je vous invite à la voir. Juste à 5 minutes, à cliquer. Cette vidéo, elle cette fiche technique, l'essentiel qu'il faut retenir est l'essentiel des questions d'examen, à savoir les facteurs de risque. Ce sont des questions d'examen. Les facteurs de risque. L'examen clinique, le test de dépistage. Quels sont les tests de dépistage qu'il faut connaître? L'examen clinique, il faut aussi partie interrogatoire, il faut aussi les facteurs de risque. Et il faut aussi le déroulement de l'accouchement. Z. Pour écarter les diagnostics différentiels. Comme tout, l'éventualité dans l'indication thérapeutique, en cas de luxation congénitale de hanche, qu'est-ce qu'on fait? Et, entre autres, l'arnée de Pavlik en fonction de l'âge, en fonction de la situation. Comme tout. Donc, on va faire le tour sur ces indications thérapeutiques. Et surtout, on est allège. Pourquoi on fait le dépistage de la luxation congénitale de hanche? C'est pour dire quelles sont les complications de la luxation congénitale de l'hanche. D'accord? C'est une pathologie, elle reste encore un problème de santé publique, vu qu'elle est encore fréquente, de 6 à 20 par 1000 naissances. Les facteurs de risque, ils sont essentiellement au nombre de 3, ce sont des facteurs de risque confirmés par la littérature. Le premier, c'est la présentation du siège. Le deuxième facteur de risque, c'est les antécédents familiaux d'une luxation congénitale de hanche, c'est-à-dire Rohawala Horta, premier degré. Et les anomalies orthopédiques, notamment le syndrome postural, lorsque l'enfant il est accouché, vous trouvez un syndrome postural tel que le torticolis, vous trouvez un pied beau, voilà, un genou récurvateur. Quand il chauffe un enfant, un bébé, un nouveau-né, un genou récurvateur, voilà, un pied beau, il faut chercher, il faut savoir dans la tête, dans l'esprit, que peut-être cet enfant-là, il peut avoir une luxation congénitale de hanche. T'as mon fille en ligne, allez. Allô? Tas mon fille. Je vois non. Ok. B. Quels sont les facteurs de risque? La présentation de siège, c'est-à-dire il se présente l'enfant avec le siège,
Il y a des positions en état qui sont, siège complété, décomplété, qui sont des formes qui favorisent les autres, le syndrome postural. Donc, le fait déjà en position siège, c'est que ça favorise la luxation congénitale de la hanche. C'est un conflit contenant-contenu, c'est-à-dire le bébé acquiert l'utérus de la maman. Voilà, il se sent dans une contrainte qui pousse les deux articulations de la hanche vers l'arrière, ou bien il est comme siège de complété Kiffman-Haka, il les pousse vers l'avant, il fait une rotation externe de telle façon, les têtes elles sortent. Comme tout. Voilà donc, une fois la tête elle sort, parce qu'à la naissance, on doit dépister cette instabilité de la hanche, cette luxation de la hanche. On doit la chercher. Donc, à l'examen clinique, déjà par l'inspection, on de longueur. Tu vois, le bébé, t'as pas où? Ça résout, moi, je suis quatre. Les plis cutanés qui en découlent, t'as pas où? Des plis cutanés axés, côté luxé. Et par l'inspection, sinon, il y a deux manœuvres pour dépister la luxation congénitale de l'ange. C'est une question à main. Vous avez bien compris ça. Quelles sont les deux manœuvres de dépistage de luxation congénitale de la hanche? Colonna Barlow ortolani. Elle Barlow, elle cherche une hanche luxable. C'est que la hanche, elle est en place. Et lorsqu'on applique le Barlow, tarfou, on pousse la hanche vers l'arrière. Et lorsqu'il y a une instabilité, la tête, elle sort du côté. Et on sent un ressaut de sortie. Le Barlow, il détecte un ressaut de sortie. C'est-à-dire, si la hanche est stable, il n'y a pas de ressaut de sortie. Si la hanche est déjà luxée, il n'y aura pas de ressaut de sortie. Tantôt. Donc le Barlow, il cherche un ressaut de sortie. Il y a un ressort de sortie dans le barlo, c'est que ou bien la hanche elle est luxée ou bien elle est stable. Tu fais chaque fois elle est luxée ou elle est. Voilà. Il y a luxée, on fait la manœuvre d'ortolani. Qu'est-ce qu'on trouve dans le manœuvre? Une limitation d'abduction pour la hanche luxée. Et avec la manœuvre d'ortolani, on complète l'abduction et on pousse sur le grand trochanter et on ressort. Et on ressent un ressaut d'entrée des os la tête, et elle entre. Parfois, on essaie de pousser sur la tête, et elle n'entre pas. Il y a une sensation de piston. Limitation d'abduction et pas de ressaut d'entrée, ça veut dire que c'est une hanche luxée irréductible. Comme tout. Donc, comme ça, on a quatre cas de figure. Ou bien la hanche, elle est stable. Il n'y a pas de ressort de sortie, le barlo. Ou bien la hanche, elle est en place, mais elle est luxable. Il y a un ressort de sortie, le barlo. Ou bien le barlo, de ressort, l'ortolani, on trouve une limitation d'abduction. On pousse sur le grand troc et il y a un ressort d'entrée. C'est une hanche luxée réductible. Ou bien on pousse. Et elle n'entre pas, et c'est une hanche luxée, irréductible. Donc, ou bien c'est une hanche saine, ou bien une hanche en place luxable, ou bien une hanche luxée réductible, ou bien une hanche luxée irréductible. Voilà. Arba. Le normal, il y a trois cas de figure pathologique. C'est hemma. Benesba. Le réductible. Luxé, réductible. Voilà. Luxable. On peut traiter en ambulatoire. Marmou, l'homme l'arnée de Pavlik ou le langage. D'accord? Je m'en mets. Langage, voilà, le harnais de Pavlik. L'objectif, c'est de mettre les hanches en position de réduction, liées généralement en abduction. Dis-moi, il y a la position qui creuse le côté, c'est la position en abduction majeure, avec genoux en flexion. C'est la position grenouille, que je n'en attends pas. Fin tout. Donc, les deux cas de figure, que ce soit le longage en abduction, couche, longage en abduction ou elle couche, qui dépasse les plis de l'aine,
Ce sont des couches qui dépassent les plis de l'aine, dans l'objectif de mettre les deux hanches en abduction. Voilà le harnais de Pavlik, ce sont des sangles, Sbet, qui vont mettre les hanches en abduction, en position de réduction. Ça n'a pas de sens de mettre une hanche luxée irréductible, puis harnais de Pavlik ou le phalangeage. Ça va précipiter l'ostéochondrite, TARF, la première complication iatrogène du traitement de la LCH, la première, c'est une question d'examen. La première, c'est que c'est une question d'examen. La première complication d'un traitement d'une LCH, l'ostéochondrite iatrogène, parfois l'ostéochondrite, fémorale. Femto. Donc, ça n'a pas de sens de mettre, de coller un harnais voilà, à l'engage pour une hanche luxée irréductible. Les deux cas de figure, les homayus et les homa luxé irréductible. Voilà le luxable, c'est-à-dire elle est en place, qui risque de se luxer. Et quelqu'un en fait une manœuvre. Tout simplement, c'est quoi l'objectif? C'est que la chambre de luxation en position de réduction, la chambre de luxation, elle va se rétracter. Et le cotyle, il va se creuser tard. Il faut la luxation congénitale de la hanche. Lorsque la tête n'est pas dans sa place, qu'est-ce qui se passe? C'est que les éléments intracapsulaires, le ligament rond, le ligament transverse, ils vont grandir, ils vont s'hypertrophier. D'une part. D'autre part, la tête, le cotyle, il ne va pas prendre la forme de la tête, donc il devient dysplasique, il va aller plus ou moins ovale, il ne sera pas creusé par la pression de la tête. C'est pour cela, lorsqu'on remet la tête en position, il va creuser davantage, il va faire disparaître la dysplasie du cotyle, d'une part, et il va écraser et le ligament transverse et le ligament rond. Comme tout. Écraser, ce n'est pas pour le dégénérer, mais c'est juste pour le garder dans sa taille normale. Comme tout. Voilà donc la classification, il y a une classification de Dan qui donne les formes anatomopathologiques de la luxation congénitale de la hanche. Là, c'est une subluxation, classification 1 de Dan. Là, c'est une compression du limbus. Le limbus. Vous avez bien compris que c'est le limbus qui fait le pourtour du cotyle. Donc là, le limbus, il est éversé. Là, il est écrasé et là, il est inversé. Et généralement piston, c'est que le limbus, il est inversé. Après l'examen clinique, essentiellement, c'est pour vous dire que la luxation congénitale de la hanche, le diagnostic, il est essentiellement clinique. On n'avait pas le moyen de faire des échographies à la naissance. On faisait une radiographie standard. Là, pour vous dire, cette radiographie standard, vous remarquez là que le noyau épiphysaire n'est pas encore apparu. Les noyaux épiphysaires du fémur, ils apparaissent à partir du troisième, quatrième mois. D'accord? Donc, cette radio, elle n'a pas d'intérêt. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a des signes indirects de luxation congénitale de la hanche. Le premier signe, c'est le cintre cervico-obturateur, le trou obturateur, le col, et on met un croissant qui est continu. Il est rompu, chauffe. Comme rupture du cintre cervico-obturateur. Ce n'est pas un objectif. Là, c'est pour vous dire que la radiographie, avant 3 mois, elle n'a plus d'intérêt. On fait une échographie de la hanche pour détecter ou confirmer une luxation congénitale de la hanche. Encore sûr du diagnostic. D'accord? Mais essentiellement, la luxation congénitale, le diagnostic, il est clinique, surtout à la naissance. Et le premier mois. Par les tests de dépistage. Tout simplement, je crois que le dépistage il est important. C'est plus fréquent de trouver des hanches luxables ou des hanches luxées irréductibles que des hanches luxées irréductibles. L'irréductibilité, elle est rare.
dans la luxation congénitale de la hanche. Et le traitement, il est possible en ambulatoire, ta nature longeage, arba chour, voilà. Voilà, 5 jours avec voilà, harnais de Pavlik, vous faites l'arqué. L'argent n'a pas 35 jours, les hanches en place, ou la construction d'ombre d'âne sur radio, elle est mrigla où il n'y a pas de dysplasie. Comme tout. Donc là, il y a 4 jours, il y a 7 dinars, ou la menarache radèche en fonction du prix. Ou la wahaldar, ou bah, j'ai quand il fait chaharine, le cabinet a pas mrigla. Alors que si on passe à côté, d'une luxation congénitale de hanche, tu gênes à 4 jours, les carottes sont cuites. Ah, je m'en ai dit qu'on va lui coller 2 mois de harnais de Pavlik, ça ne sera pas suffisant. Il ne va pas coopérer. Donc, on doit passer aux autres alternatives thérapeutiques. Il y a ou bien hospitalisation pendant 1 mois pour faire la traction progressive, qui est mérite de service. La traction, cette traction, on m'en a fait à 80%. On est à 80% de réussite, c'est-à-dire. Et cette traction, elle n'est pas dénuée de complications. On peut avoir 5 à 15% de complications cutanées vasculaires liées à la première complication chenille, l'ostéochondrite ou le cutané ou l'infection. En plus, en cas d'échec, 80%, on va lui coller au moins 4 à 8 mois de plâtre. C'est astreignant. 1 mois hospitalisé avec sa maman, 1 mois d'absentéisme au travail. Le coût direct et indirect d'une LCH, il a été estimé à 10 000 dinars. Bilkarni, fesbitar, rakushilbar. Pour une famille. Ça, c'est important à vous dire. Deuxièmement, 20% d'échec, c'est-à-dire on peut passer à la chirurgie. Et la chirurgie, même si c'est 90% de réussite dans la plupart des littératures, c'est ça là. Des séquelles, le risque par l'ostéochondrite, le risque d'inégalité de l'encœur, ou les séquelles cutanées. Elle est plus fréquente chez les filles plus que chez les garçons. La luxation congénitale de la hanche et avoir une cicatrice sur la hanche, une cicatrice sur le cuisse, c'est moins agréable il y a une autre complication associée. Et en plus, avec cette chirurgie, c'est une chirurgie itérative. On va lui coller un matériel médical d'ostéosynthèse qu'on doit l'enlever après 1 an au moins. Femme tout. C'est une chirurgie, une chirurgie littérative. Oui, d'accord. Même le traitement, que ce soit orthopédique ou la chirurgicale, les complications naturelles, il y a la dysplasie et l'arthrose précoce. Donc, avoir une arthrose précoce à l'âge de 14 ou à 16 ans, c'est-à-dire une arthroplastie précoce. Déjà, l'arthrose, c'est-à-dire douleur à la marche et une inégalité de longueur. Oui. Le traitement, un traitement, une chirurgie prothétique à un âge très précoce. Oui. Donc, l'examen, pour vous dire, l'examen entre 1 mois et l'âge de la marche, à peu près 1 an, le ressaut, lorsqu'on fait le testing, Charloul, on peut voir, on peut appliquer la manœuvre de Barlow et d'Ortolani. Badchar, on ne fait plus la manœuvre d'Ortolani et de Barlow. Elle n'est plus applicable. Les muscles ils sont habitués. Comme par malchance, cet enfant il n'est pas passé par un médecin qui a fait l'examen des hanches. Badchar, j'ai comme tout, ma chauffe-tour, quel que soit le cabinet que vous faites, quelle que soit la discipline que vous faites, il faut penser qu'après 1 mois, le ressaut, il peut disparaître. Donc, on cherche surtout les éléments inégalité de longueur et la limitation, surtout la limitation de l'abduction. Étant l'abduction des deux hanches, vous trouvez qu'il y a une limitation d'abduction ou bien d'une hanche ou bien des deux hanches. D'accord, wadha. Une fois au seul 3 jours ou 4 jours, on peut faire la construction d'ombre d'âne qu'on va voir.
لهنا هذا بور فو مونتري لو فولون دابدكسيون عيتوها تلقاه ليميتي لهنا نورمالمون يهبط لهنا فهمتوا ولا العكس اكوردو marche, mais faire couche bi, elle dit. Lorsqu'il vient à l'âge de la marche, le premier signe, c'est la boiterie. Yemchi, yakwa. Fanto, c'est une boiterie des épaules, de train de l'embo. C'est une boiterie de déséquilibre. C'est pas une boiterie d'esquive. Tarf, enfin, deux types de. Tu as une douleur, ça m'y a une boiterie d'esquive. Ou la boiterie d'équilibre, voilà, des épaules, voilà, de train de l'embourg. C'est une boiterie de déséquilibre. Là, je trouve une inégalité de longueur, qui fait le cas d'une LCH. LCH noire, qui fait l'inégalité de longueur. Le fait que la tête, elle est luxée, t'as l'air de faire quoi, le membre, il y a un axe, le membre, le reste. Fais tout. Train de l'air du moyen fessier, ça donne une analogie. Que le fait que le membre il est plus court que l'autre. Femto. Bien à la radio, vous allez voir, ça c'est la construction d'un modèle, c'est un objectif pour vous, en tant que médecin externe en médecine, la construction d'un modèle est un objectif. La construction d'un modèle, on fait la radiographie du bassin de face, on demande une radiographie du bassin de face à l'âge de 4 mois. Il faut qu'elle soit une radiographie de bonne qualité, de bonne pénétrance, qui montre que les deux ailes iliaques, elles sont symétriques, les deux cadres obturateurs sont symétriques, et lorsqu'on trace la ligne des Y', le cartilage, le cotyle, il est formé de cartilage en Y. Le cartilage en Y, oui, ça s'appelle Y ou l'écrit Y prime. Là, je s'appelle Y prime, Y, Y. Comme ça, ça trouve, ça trouve, ça trouve. Le sacrum, la dernière partie, elle doit être en dessous de cette ligne. Perpendiculaire à cette ligne Y, Y, Y prime, qui passe par le bord externe. C'est le bord externe du côté. La perpendiculaire à Y, la perpendiculaire à la Y. Un cadran, c'est arba, quatre cadrans. Les quatre cadrans. La tête, le noyau épiphysaire, il doit être dans le cadran inféro-interne. Ou bien luxé ou subluxé. Quand par exemple le nez charge le bara, il faut choisir double lèche, mais elle déborde, elle est subluxée. T'as pas ça, une hypertrophie sur la synoviale, hypertrophie, t'as fait tout. Donc c'est pour cela, ça, t'as pas où subluxé le nez double lèche, là. Quand le tête dit, elle déborde. Quand le voilà, il est baissé, il fait blasse ça. Mais qu'est-ce qui se passe réellement, anatomopathologiquement, t'as le cas, elle est subluxée et il y a une hypertrophie intracapsulaire du ligament rond et du ligament transverse qui, avec un chalion, la luxation elle sera manifeste. Donc, en ce moment-là, ou bien nature arnée de public, avec un flage de l'arnée de public, avec un moment, je suis flage de l'arnée de public, nature attelle de petit, c'est une attelle qui met le membre en abduction et en rotation interne, tout simplement pour comprimer, pour mettre les têtes en place et comprimer malgré ces éléments hypertrophiques. On est carrément luxé, on fait le traitement, que ce soit ambulatoire, que ce soit à l'âge, généralement à l'âge de la marche, ils viennent. Lorsque vous faites la construction d'embrodin, pour faire la construction d'embrodin. Donc déjà, les carottes sont cuites. Donc, ou bien vous allez le planifier pour l'adresser en orthopédie pour faire un traitement orthopédique intra-hospitalier, ou bien le traitement ambulatoire n'a plus de place. Comme tout. Juste à dire, là, on a l'angle H, devrait être
inférieur ou égal à 25 degrés. Au-delà de 25 degrés, c'est une dysplasie du cotyle. Confort externe, et bien, cet angle-là, taqa dysplasique le cotyle, c'est-à-dire la tête n'est pas dans le kifman heve, la tête n'est pas dans le cotyle, donc il a tendance, au lieu d'être sphérique ce cotyle, d'être ovalaire, tout simplement la tête, elle est subluxée, elle l'a évasée, ou toi. Donc le traitement, voilà, en cas d'un enfant inférieur à 3 mois, on peut lui coller un longage en abduction, voilà, un harnais de Pavlik. Sinon, à l'âge, s'il est supérieur à 6 kilos, c'est-à-dire au-delà de 8 mois, voilà, 9 mois, on peut faire une traction progressive de Somerville le petit. Et cette traction, elle a des principes. L'année, c'est une traction verticale. C'est le même principe, que ce soit verticale ou la traction au lit. Les principes, c'est les mêmes. Le premier temps, c'est de rabaisser la tête. L'année, il faut imaginer le maqloub. Tête, elle est luxée, elle est le foukra. L'année, mais c'est juste à la khatr où c'est une traction vers le haut. Femto. Femto, l'année. تصوير مقلوب دونك راس ولوت حسب انت ساقي الفوق وراس ولوت دونك لهنا لا تيت ال دو اون دو لا بي سي دونك لا بروميير فاز دو لاتراكسيون سي لابيسمون دو لا تيت او دوسو دي ليني دي زيغريك نهبطو تيت او دوسو دي ليني دي زيغريك اي اون في معناتها اون تراكسيون بروغريسيف اون كومونس بار لو 1 8ème ولا لو 1 10ème دو بوا اي اون راجوت كوتيديانمون 250 à 500 غرام بار جور جوسكا اريفي 40% دو بوا دو باسيون فهمتو دوز 10 كيلو Il faut toucher 4 kg de traction, le col sur le col. Et c'est une traction progressive. Nous, donc, par exemple, au maximum de traction, le 14e jour. Une fois ça y est, les deux têtes sont en tête ligne des Y, c'est la phase de présentation. Donc, on doit présenter la tête au centre du cotyle. On fait une abduction. Pour cela, on fait une abduction. D'accord? C'est pour présenter la tête vers le centre. Et la troisième phase, donc on cable la tête, on diminue le poids. On commence à diminuer le poids pour qu'il y ait la phase de pénétration, c'est-à-dire phase de descente, phase de présentation et phase de pénétration. Une fois on a fini la phase de pénétration, c'est-à-dire nahyou naqsou les poids des hatinoum, qu'on a besoin de naqsou fihom. Toilette, une chambre de luxation, c'est-à-dire puisque la chambre de luxation est il faut immobiliser la tête en position de réduction. Deux mois, renouvelable, après deux mois, une fois comme les quatre mois de plâtre, la première complication, ce sont les vaisseaux. La première complication, c'est la souffrance de cette tête fémorale qui donne la première complication. La deuxième complication, c'est les complications cutanées par le fait que c'est une traction collée. La troisième, c'est l'infection urinaire. À la khatir, ils sont alités, les enfants. Et ces trois complications, si elles surviennent, le tayyab a tracté, il a qu'un jet ou les complications. Donc, on arrête le traitement. Comme toi. Si on n'arrive pas à gérer ces complications, on peut gérer par le traitement cutané, par des soins cutanés, on peut gérer les infections urinaires par les antibiotiques. Infection urinaire à répétition, c'est qu'il va faire une infection même sous plâtre. Petit kif kif, l'irritation cutanée. S'il fait des irritations qui ne cèdent pas aux soins cutanés, c'est que sous plâtre, il va faire une infection et il va faire une catastrophe. Kif kif, pour l'ostéochondrite, si on fait.
On n'arrête pas, mais on est à l'attraction et l'ostéochondrite, elle continue. Il n'y aura plus de tête fémorale. Mais je tête fémorale dans le quotidien. C'est tout. Mais en cas d'échec, l'attraction continue et progressive de Somerville le petit, on fait la chirurgie. Parfois, les parents, ils refusent l'attraction. On fait la chirurgie d'emblée. On a l'hôpital. Au lieu de 4 jours, un jour avant l'opération et 2 jours après l'opération, et c'est fini. C'est une alternative. On ne peut pas faire ça. On peut accepter un traitement chirurgical d'emblée pour notre enfant. Donc, il consiste en quoi? Il consiste à 3 étapes. Première étape, c'est enlever les éléments intracapsulaires comme le ligament transverse et en place. Il faut présenter la tête. On fait une ostéotomie fémorale du valgus en valgus. Plutôt la tête, elle est en valgus, coxa valga. On fait une ostéotomie fémorale de varisation. On fait une dérotation et on fait une ostéotomie du cotyle, le cotyle. Pour diminuer cette dysplasie, la dysplasie est du cotyle, on doit rabaisser, on doit couvrir la tête. Enfin, le fragment qu'on a coupé du fémur, on a raccourci le fémur. Et on a... Cette méthode, c'est une méthode chirurgicale qui est astreignante, qui est saignante. Elle doit être faite par un chirurgien orthopédiste qui connaît l'orthopédie pédiatrique. Qui fait de l'orthopédiatrie, d'une part, et d'autre part, il doit, en post-opératoire, on doit surveiller l'enfant sur le plan hémorragique, et après 2 mois, le matériel de fixation du fragment osseux, s'il y en a, sinon, pour le matériel d'ostéosynthèse du fémur, on enlève le matériel. On fait une radiographie post-opératoire pour voir la tête si elle est en place. Même en post-opératoire, si elle est en place, après 2 mois, on fait une radio de contrôle. On peut avoir des échecs thérapeutiques. On peut y arriver, ça peut y arriver. Si parfois l'enfant il est opéré à un âge tardif, 8 ans, 9 ans, les muscles ils sont rétractés. Et même si on a réduit en post-opératoire, on enlève le plâtre, le muscle il est bdaté, comme tout. D'où c'est important de faire le dépistage. Et même s'il y a une opération à faire, il faut la faire tôt. Il ne faut pas trop tarder. Pas trop tôt, pas trop tard. D'accord? Là, c'est pour vous montrer. Là, ce sont des différentes techniques d'ostéotomie du bassin. Là, c'est juste pour vous dire le pronostic. L'arthrose guette les hanches dysplasiques, c'est-à-dire lorsqu'il y a une hanche dysplasique qui ne couvre pas. La tête fémorale, c'est qu'il y a un risque accru d'arthrose. Le traitement précoce, il diminue le risque de séquelles. Les séquelles qu'on peut voir, c'est le coxa magna, le coxa vara, le caputa valga. C'est une coxa valga avec une arthrose. Là, c'est une ostéochondrite pour vous montrer. Là, c'est une coxa vara. Le col, il est aplati, il est court. C'est une coxa plana carrément. Elles deviennent aplaties. L'intérêt, c'est pour vous dire, l'appui, lorsque la zone d'appui au niveau de la hanche, elle est rétrécie, c'est kif mal sabat talon. Parfois, talon, la charge, elle augmente. Lorsque vous voyez, 60 kilos, ils sont sur cette petite charge. La pression, elle est très importante. Et il y a risque de casser ce talon. Alors que si le talon, il est large, la charge, 60 kilos, elle est répartie sur 4 cm². C'est la même chose pour le col de fémur. Voilà, là, c'est une ostéotomie de fémur avec une butée. Je peux.